Un dé à quoi c'est deux. On l'école là, à travailler, on peut l'école à travailler, on peut l'école fermée, par contre pour qui ça est fermée, on peut si mon à l'école, on peut chita et pas à l'école. On lycée là, on pile si mon chita là, par contre pour qui il est à l'école, pour qui il est pas à l'école. On va comprendre comment pays a et comme ça mes amis, son changement nous besoin, trop mon a mourir, trop innocent, trop petit jeune a mourir, c'est ça nous demander dans pays pour un pays a un changement là dans mes amis. Comment la votre pays? A pas gen la vente même mon garder ça devant moun bien cher après acheter ti ça ou pas ka vendre regardez men ou pas ka vendre ou pas konn pou ki lò la mais quand on reprend le marché alors konn ki kè kase par rapport avec nous toujours gen kè kase parce que ça fait ça songe onje ouvri onje fermé n'a vivre parce pas konn content de pas chez cou pas konn ki lè nèg y a pa vay ou ki lè y pa pa vay nous résié nous ça c'est dans ça zone cou avec m'bagi tennis m'bagi soulier m'bagi rat mais mande même. Si vagabond ça yo, nous pas qu'on nous compte avec yo, petit vagabond tourner la caillou, passer ca ou fait, pas qu'on nous compte avec petit vagabond ça yo, un petit vagabond ça yo, tourner ca ou fait. Ca ou fait pas qu'on mêler, non quelle chose ça fait vagabond. Quand veut pas qu'on mêler, quelle chose ça vagabond, en quelle chose ça vagabond. Pas qui marche un comprimé là, là qu'on ça marche un comprimé ta qu'on se vendre. Marche dur qu'a qu'on se vendre. Marche le baga qu'a qu'on se vendre. Qu'on n'est pas un grand monde tourner vin. Village marchandé ou grande bagarre dans mes mais me demande pour l'État, font champ à Kaoufei pour faire peuple à tourner la caillou, actuellement pour retirer sans arrêt ça en l'air. Et pas c'est dit, et là, ils descendent à gros âme, gros machin au grand meilleur pour revenir pas c'est dit, faire peuple à courir, mais me demande, mais même pour l'État, mettre un chat, et pas c'est dit, pour faire pour peuple à tourner, pas c'est dit. Pas gué la vente, on n'y a pas qu'à venir. Mon yo toujours père, mon yo toujours un père parce que yo wè tous autres qu'on get tiré a, yo pa konnen kote katouche ka sorti, yo père vinn nan marché a. Même la caillou yo père vini, quelque moun ki te doit vinn la caillou à cause des bagay kouri a tous autres yo vinn père. Kounya même là nous ta chon bagay pour nous vendre, nous pa ka vendre. Nous pa wè moun ki pou faire nous vendre. À cause des bagay violence qui fait dans zone nan ki fè moun yo toujours père, moun yo toujours gon. Oui, je ne sais pas ça veut dire que je ne sais pas si je suis sauté. Quand je suis couru, je la ville là, je viens de prendre souffle. Je ne sais pas ça encore. Je ne sais pas si je suis la ville, je suis bon. Et si qui veut nous cacher là, c'est bon Dieu qui fait nous cacher là. Ce n'est pas de volonté, bon Dieu, parce que nous ne pouvons pas cacher là. Parce que bon Dieu, on s'y pour marcher de tunnel pour qu'on fasse. Parce que c'est pas de bon Dieu, parce que là, qui on ça, vient pour une zone, c'est un coup de pinaise. L'autre côté, c'est un coup de tuyau, c'est seul bon Dieu qui a dit au mot, dans la façon qu'il y a là. Mais mettez travail pour jeunes garçons, pour jeunes garçons, pour l'autre monde, pour l'autre vacabre, pour l'autre jeune, pour mettre violence dans les âmes, pour faire qu'un monde casse, même ça, nous avons besoin pour le gouvernement faire, mettez travail pour tous les jeunes garçons, mettez travail, tout coup de pied par le travail, même pour qu'on ça à faire avec eux, c'est ça, demande moi-même. Et à quoi c'est deux? Nous dit pas normal. Après 217 l'année, Jean-Jacques Dessalines poko bénéficie yon procès qui pour dit qui est-ce qui t'est participé dans le complot sur le plan intellectuel, sur le plan réel et sur le plan matériel dans l'assassinat de Papa Nation. Li pas normal pour moun qui assassine Jean-Jacques Dessalines yo. C'est eux-mêmes qui prennent la parole dans nos nations. C'est eux-mêmes qui gagnent richesse pays dans main yo. C'est eux-mêmes qui accaparent tout système dans pays. Yo accaparent justice, yo accaparent éducation, yo accaparent la culture. Eh bien nous pas jamais gagner l'autre résultat que ça ne gagne là parce que prédateurs yo, assassins yo, c'est eux-mêmes qui dirigent. Nous-mêmes dans Kapesam, nous disons, malgré 217 l'année après, il faut gagner un procès réel qui est réalisé
pour condamner moun sa yo même après la mort yo. Laisse la population, l'opinion locale, public local et international à au courant même moun qui t'est concocté, qui t'est planifié, qui t'est orchestré assassinat et papa nation. Et bien procès ça, le procès ça fin fait. Yo condamné moun sa yo, n'a saisi bien yo. N'a saisi bien yo et nationaliser bien yo, mettez yo à la disposition petit pays a petite papa nation. Et c'est comme ça peuple haïtien a reprendre cap li. Population haïtienne a reprendre orientation de sa ligne te tracé pour li. C'est dans sens ça nous même dans cap ça. Nous fait nous obligation, nous fait nous le devoir pour à chaque moment de l'histoire pour nous rappeler yo et prendre des dispositions et prendre des résolutions en conséquence. Eh bien, dans ce ça, n'a laissé avec confrère nous, camarade nous, Lunès Simonis qui pral ouvrir une page d'histoire par rapport avec ensemble des manœuvres communauté internationale là toujours utilisées pour yo mettre botte ferré sous kounou. Mais à quoi c'est deux? Nous parlons de musée du Vaudou, nous parlons de paquet activités, mais je dis on va élaborer un peu encore plus. Et événement ça pas fait par hasard. Date pas choisi par hasard encore. Quand on a parlé le chiffre 7, le chiffre de la justice depuis le commencement de l'année, le même te recevoir date là, te connais que bon événement qui pour faire. So, depuis quelques mois, m'a commandé des bagages mauves. M'a comme tout qui ça. M'a commandé yo, m'a stocké. Et puis voilà, il y a deux mois, m'a marché au côté de la Lorraine pendant une semaine. Sans bagage rien avec madame ça, parce que nous parlons souvent. Que m'aller à 10h du matin, que m'aller à 4h de l'après-midi, que m'aller à midi, pendant une semaine, il là chaque jour. Mais dit pourquoi ça toujours là même l'heure avec moi, fait pas connait non. Ce troisième jour, me dit si ou là, m'a pété des bagages avant, que me toujours prêter attention. Mon bagage pour faire, me dit mais quel temps gros événement que pour faire. Fon fait événement. Et puis, ça m'a réalisé. C'est tant de temps que je me ça, oui. Il m'a réalisé qu'il y a les livres, les bonnes dates 21 et 22 octobre. Mais il m'a réalisé dans deux mois. Quand il m'a dit temps organisé événement ça. Il dit, mais il y a une date, ça va bon, oui. C'est pas comme si son date ou qu'a choisi. Et voilà, je viens ici, je vais voir Richard Buteau. Je viens réserver date là. C'est la seule date dans le calendrier Caribé 2023 qui est libre au week-end. Applaudis-moi, s'il vous plaît. Seule date qui était disponible samedi et dimanche au week-end. Toute date année t'es bloqué. T'es un dimanche bloqué au samedi. C'est comme si date était là. Et m'a raconté une histoire ça pour qu'on réaliser combien fois ça arrive dans chaque nous là, bagaille que ba nous fait et puis nous parler que t'a tenu déjà. Il nous dit à coïncidence par hasard, ça n'existe pas. Donc l'homme t'a approché tout le monde pour événement ça, après ba il dit j'ai pays ça et là on va faire événement ça, il dit bon si on va faire date ça, pays a Paris pour ça. Et m'a pensé, m'a jamais pensé que ça va passer pays a. Nous toujours en contrôle. Là nous qui met une attitude positive sur certaines dates, moi crois vraiment que nous avons fait. So on commence à suspendre dit ah paye après le show, ça n'existe pas. On change le langage ça. So pour arriver à l'événement samedi 21 et dimanche 22, m'a pas raconté nous rapidement comment l'événement a commencé. M'a dit tout le monde si on est venu depuis 2h30, ta bon. Très important, depuis 2h30 musée du Vaudou a ouvert. Nous allons rentrer visiter. M'a pas ba nous description musée du Vaudou, on faut nous là pour nous ka ouais. Pas moyen vous décrire. Même pas même compte tout le détail, madame Maël tout son hasard tout, c'est pas par hasard avec nous rencontrer, ça c'est l'autre histoire à raconter après. Et musée ça l'important pour chaque monde qui vient participer, entrer là-dedans pour apprendre l'autre bagaille. Nous parlons de bagaille là, nous l'autre les vols, nous besoin de la belle. Et puis bagaille belle, la fin c'est pour cacher, parce que nous même quand on a ici l'une belle bagaille, nous disons pas de montrer pour nous ne pas jaloux, non. Nous doué projeter tout ça dans fait belle grand, c'est normal. So, c'est ça que Maël David pour le faire avec toute équipe li samedi venir depuis 2h30 poser question n'a rien en tout et Riva Niri qui c'est artiste nous qui font performance en dedans so, on a bonne idée plus ou moins n'a question n'a poser. Malheureusement Maël pas capable tout ça rien mais n'a porter le maximum possible parce que Maël a travaillé sur projet ça depuis 2 ans. So, c'est très important pour venir à l'heure 2h30. Trois jeunes avant de venir filer dans la grande salle, c'est là que nous avons la première conférence avec intervenants. Ok? On a commencé d'abord par moi, qui a présenté nos filtres, parce que c'est nos filtres ça a commencé. Qui est-ce qui est nos filtres? Un peu de monde, c'est moi. Mais nos filtres, il y a plus de 20 personnes là-dedans. Monsieur González, ça donne tout. C'est des gens qui viennent mettre tête au service, encore, sous même un thème, union. Nous tous mettons tête ensemble au service pour aider l'autre monde. Et après ça, on a projeté pendant 3 minutes, 4 minutes,
documentaire que nous avons fait depuis 2-3 ans. Depuis 2-3 ans, nous faisons des documentaires grâce à don, monde qui regarde nous sur les réseaux sociaux. Et après ça, nous avons présenté JB à 3h15, 3h20, qui va présenter cette interview. Nous. Et cette interview, nous, il parle de différents thèmes, de différents sujets. Ce n'est pas une conférence, côté chaque monde parle monter, quand on parle de sujet. Il parle de conversation, côté tout le monde chita. Et puis, nous allons parler de différents thèmes pour aider nous à comprendre mieux. Et même, Jean nous vient aider nous là pour aider nous tout parce que nous avons besoin de bonne énergie nous, pour nous bien collaborer. La fête, à peu près pendant 2h30, nous avons un petit moment de pause, 10 minutes. Et puis après, nous avons un moment de questions-réponses, côté que le public là a posé nos questions pendant 30 minutes. Et après ça, nous avons un cocktail. Nous avons tout pour nous arrêter parce que le cocktail là, il inclut. Et après le cocktail là, on a fermé avec un spectacle encore pour Riva. L'admission est $77 encore pour respecter le chiffre 7. Il inclut samedi et il inclut dimanche. So, samedi, je vous expliquer que 77 là, bracelet gogé là, bravo là, ou tout qui est belle pour dimanche, parce que le bois accès à 2 jours. Et deuxième jour, on a commencé de 7h du matin à 7h du soir. Deuxième jour, c'est journée conférence for expo. Depuis 7h du matin, nous avons toute qualité d'activité sur la cour. On a commencé pour classe de yoga. Et là, 17h, très important, on a commencé à l'heure. Que 10 moun, 20 moun, 30 moun, nous avons même moun yop, venez à l'heure. Il est toujours bon pour là, 15 minutes avant, ou arriver pour chaque classe. 7h, gen yoga avec Makeda. 8h, gen un bouger avec Soukaina, dans la cour là. Après ça, on a traversé la grande salle là. Nous allons faire une méditation collective pour Gilbert Gonzalez et Madame Ni. D'ailleurs, qui fait ça déjà, sur la plateforme qui est nous connectée sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. Nous avons une méditation collective qui est importante pour nous participer, pour nous voir une bonne énergie. Et moi, je dis, quelle différence que 100, 200 personnes vont une bonne énergie pour Haïti? Oui, il y a une grande différence. La présence est importante. Fait partie du changement. Nous avons une bonne méditation, 15 à 20 minutes. Mot de bienvenue. Et puis après, nous avons commencé à 9h avec Annick Galvan, qui là, qui a bon classe sur respiration, parce que, vous connaissez que normalement, on a mal respiré, pas vrai? Et respiration, Jean-Yves te dit, c'est pour nous faire. Le nous fait, c'est dès qu'il va nous faire, nous allons mourir. Ce n'est pas là pour nous mieux respirer. Très important. Et après Annick, nous avons classe. Sorry, je me squeeze, parce que je m'oublie tout le bagage au seul coup. Ça m'arrive tout le temps. Non. Après Annick, nous avons classe sur son et mouvement. Pour nous prêter attention avec son et mouvement pour Riva. Après ça, nous avons break. Break là pendant lunch là, Caribé a offert un menu à base de café. Comme nous connaissons le café Rebo, c'est sponsor nous. Tout menu à base de café, que ce soit du poulet, du riz, tout. Excellent. Pour un break là. Et pendant le break là, à Makeda fait ce dim, là pour offrir l'autre classe de yoga qui sont surprises. Ça veut dire soit 7h, ou quand vient à midi, même conseiller nous venir à 7h, parce que yoga 7h, c'est lit qui vérité. Et puis, bien sûr, nous avons commencé encore à 1h. Nous avons une classe développement personnel avec Mélodie Benjamin et Marie Moumou Laplanche. Après ça, nous avons une classe avec Béatrice Gonzalez sur la spiritualité pour enfants. C'est une classe pour Timoun et pour parents. Ça veut dire, même si vous ne venez pas à Timoun, il est important pour les parents pour venir. Le petit doigt dit, j'ai entendu, je vois, arrêtez de dire à vos enfants, suspendez Timoun, suspendez la bagaille, ça y est. C'est ça, je dis, pendant toute vie. Allez jouer, c'est ton ami, je viens de non. Non. Parce qu'à l'âge de 7 ans, si vous avez tombé dans le normal, mais avant 7 ans, encore le chiffre 7, si vous avez compte tout ce qui a passé. Mais nous mettons le carapace là, la chaise, le tiroir, et cela. Mais on a un travail à faire. En fait, si vous reconnaître que ça, le temps d'ailleurs, il existait. Ce n'est pas assez faux. Ce n'est pas le closet. Tout si vous n'avez pas le droit, on doit arrêter son langage. Je peux nous comprendre ça. Nous d'accord? So, classe, ça veut dire que vous n'avez pas venu à Timounou. Et nous encourageons à venir à Timounou parce que Timounou peut-être pas raconter des histoires que parents peut-être pas même connaissent, que vous pouvez dire nous. Parce que plus le monde qui a passé, et puis on peut parler avec nous, dit si je dis ça, ma maman va être fâchée. Mais je joue ça, si on ne peut pas l'exprimer. Et parents qui ont des questions, qui viennent venir rencontrer Béatrice, et classe ça, pour aider nous vers nous. Et bien sûr, classe Béatrice, pour que classe ça approfondit. Si nous avons besoin de plus d'informations, on a toujours elle, qui va nous classer en personne. Et après ça, nous avons classe avec Rosie Benjamin sur le traumatisme. En plus, nous ne pouvons pas connaître que le débat est en vie actuellement. C'est les petits traumas. Nous, les petits traumas. Et puis, il y a des gros effets dans la vie. Peut-être ou commentaire par nous te fait nous comment tu fais ça l'aide tête graine c'est cela tout ça ni important les veilles spirituelles nous le gros problème majeur qu'on y a ou pas réaliser c'est un commentaire ou comment on a passé qui a traîné l'envie ou classe ça important après classe ça
Nous classe avec docteur Thierry Laplanche sur la médecine traditionnelle. Nous toujours obtenir le malade pour le docteur alors que Gébaïn nous a prévenu. Et en même temps, nous classe sur la cour avec Riva sur le folklore. Et nous avons fini avec une méditation collective à 6 heures avec Gilbert Béatrice. Nous avons une bonne énergie à aller pour Haïti. Et pendant l'activité, il y a un four là qui a 20 exposants. Applaudis, exposez-moi s'il vous plaît. Les temps sont difficiles. Malgré tout, nous avons 20 exposants qui viennent, qui croient dans les événements. So, venez supporter et exposer tout exposant que nous approuvons, c'est exposant qui a lié à son affaire. So, venez supporter, venez garder, venez prendre service très important. Nous avons une salle qui sont ça dédié avec intervenants et livres. Il y a plein d'intervenants qui ont livres, comme Michel Soukor, Yolande Benjamin, qui ont acheté sous place, et Marie-Alice Théo, qui parle à tout le temps, mais qui a pris une session livre pendant une heure, parce que Marie-Alice a une salle pour lui qui a fait carte aussi. Dimanche, nous avons plein, nous avons 16 rendez-vous. Pour dimanche, mais si vous avez besoin de rendez-vous samedi, na contactez moi pour rendez-vous samedi. C'est ça qui est activité éveil spirituel là. So, on peut vous poser une question. Qu'est-ce que éveil spirituel là? Est-ce que pas un rituel? Est-ce que pas une bougie? Non. Et Jean te dit là, c'est pas un événement autour de aucune religion. Pas rien à faire de ces catholiques qui là, ces protestants qui là, ces bouddhistes là, tout le monde là. Y a une tendance à parler de vaudou ou bien en tant que religion ou bien en tant que niche superstition. Et il a toujours oublié que vaudou, c'est culture. Il a toujours oublié que c'est ça qui aide nous. Très souvent, youn comprend l'autre sans ne pas parler. Parce que des fois, il y a des gens qu'on a parlé, il fait l'autre l'a fait Et bien ça, son héritage africain, éveillé, toujours à faire et racine vaudoua c'est là le sorti. C'est pour un aspect culturel vaudoua. Il y a des bagailles qu'on pas faire parce que ou gon influence de vaudoua. Il y a des bagailles que ou faire ou gon influence de vaudoua. Il y a des parties dans l'éducation qui gon rapport tout avec vaudoua. Mais étant donné que c'est une religion qui est très secrète, yo pas parler de ça. Et très souvent tout, nous gagnons un vernis occidental qui dit que sou pas parler français ou pas moun, sou pas l'école ou pas gagne diplôme ou pas moun, alors que moi-même expérience que me fait, c'est que malgré me t'al prend doctorat en histoire de l'art, c'est l'homme t'al chita son glaci ou bien bon péristyle avec des moun qui pas te écrit ni non yo. Ni qui te kap pale l'autre langue et me te rend moins compte que valeur morale que yo te bam l'enfant mime c'est l'en vodou a yo te prend parce que tout chante vodou gagne mon moralité là-dedans toute histoire qu'on paysan pral raconte gon moralité là-dedans et c'est l'en vodou a que ou apprend le ou parler faut dire et ou même ça penser et ça ouel en ça mon compère l'on a fait combit. C'est vos doigts qui font faire combat. C'est vos doigts qui font penser à qui ça cache l'enfétaille qu'elle est là. Donc c'est pas affaire religion, c'est affaire culture. Et ça nous pourra le montrer justement, c'est pas aspect religieux, c'est aspect culturel là. Parce que le vaudou, ou joigne théâtre, ou joigne danse, ou joigne poésie, ou joigne expression corporelle. Tout à l'heure, il a parlé de riz. C'est quoi le rire et le sourire? C'est l'expression de l'espoir. Espoir, c'est là pour joindre. Parce que quel que soit la langue ou parler, le ou bien, c'est en créole ou bien. Le pas bien, c'est en créole ou bien. Quel que soit mode éducation gagné, ou toujours un grand monde dans la famille, qui a demandé conseil, qui côté que le prend venir ça? C'est le vaudou. La mémoire collective ou grand pile douleur. C'est ça que fait yo qu'on gagne tension de temps en temps dit que nous lâche, nous pas lâche non. Ou tellement gagne souffrance dans mémoire collective ou que quel que soit ça il fait ou gagne tendance dit bon Dieu bon m'a débat n'a tande c'est parce que ou attend l'heure et ben qu'on y a l'heure arrivé. Éveil ça, c'est pour l'heure pour nous réveiller. C'est pas affaire religion. Et musée nous pral montrer à c'est justement la beauté du vaudou. Parce que gen des moun ki vaudouisan, yo pran 10 ans, 15 ans pour yo faire un rad. Gen des rad de loi
que nous pral montrer là qui coûtait entre 2000 et 3000 dollars américains le vêtement. Nous pas ka vendre. Et ça montre tout qui gens que fort gain persévérance la caillou, qui gens fait pour gain résilience, qui gens pour gain courage, qui gens pour gain unité parce que tout ça nous besoin qu'on y en son unicité dans ça que nous voulons. Et c'est ça qui rapport avec vodou. Moi fait 20 ans dans l'hôtellerie et me rends compte que majorité touristes qui étaient venus ici c'est pas pour ni soleil ni la mer ils étaient venus, c'était pour culture nous. M'te travaille dans l'hôtel qui était le hôtel Villa Créole, il y avait 40 baignoires. Nelson Rockefeller rentré avec les gens de la jet set des États-Unis. Là yo parti, nous obligé changer toute baignoire dans l'hôtel là tellement il prend bain. Nous même là nous prend bain, nous autre du monde que nous prend bain. L'église catholique bande des bains de purification, nous trouvait le normal. Donc culture. L'autre jour t'ai gain Covid, dans la cour la caille moi t'ai gain médicament pour Covid là. Le nal dit la radio que nous avons des médicaments, le lendemain, le gouvernement dit suspendre 20 feuilles. Donc, culture, c'est ça, ce n'est pas religion. Ce n'est pas un bagage que nous pouvons faire là pour vaudou ni pour aucune religion. Nous avons fait pour l'amour, nous avons fait pour l'unité, nous avons fait pour le monde, pour nous connaître ce monde, que tout le monde, c'est le monde. Quel que soit le niveau du monde. Tout le monde, c'est professeur, tout le monde, c'est élève. Respect. Naissant parce que li parlait d'un ami moi li parlait de Kemi Seba et Kemi fait caler en Russie ou est qui intervention le fait contre le néocolonialisme et li dit un bagay que moi même moi prend pour Haïti tout ça veut dire que qu'on y en nous prêt pour que gade l'autre pays qui vienne aider nous mais nous pas vle que yo mette l'en tête yo que yo pral maîtriser nous parce que nous gon culture qui forte et ça ne pral faire le 21 pas aucun rapport direct avec aucune religion. Parce que Dieu n'a pas créé de religion. Dieu a dit, je me suis fait homme pour connaître tes douleurs et tes limites et t'aider à trouver des solutions. Pourquoi toi, tu ne serais pas Dieu avec moi à l'intérieur de toi dans l'univers pour aboutir à l'absolu? Ce serait une injustice vis-à-vis de moi. Ce qui veut dire que nous sommes tous des dieux. Et dans la Bible, on dit, Dieu vient juger des dieux. Donc, si nous sommes des dieux, Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Dieu n'attend pas de nous que nous disions, ça, c'est religion, pas bon, pas là, pas bon. Plutôt n'aller plus vers la philosophie plutôt que n'aller vers la raison. Parce que la raison, je veux une réponse à toute bagaille. Mais on a remarqué que tout le monde sait qui dit que c'est des scientifiques, ils ont trompé tout le temps. Et c'est Einstein qui t'a dit que tout le monde qui est intéressé à la science, tôt ou tard, il a rendu compte que gagner un être supérieur. Et pourtant, il n'a pas jamais dit qu'il était quoi en Dieu. Et si nous montons plus loin, puisqu'on fait allusion à l'Afrique, on rendu compte que Hippocrate t'a dit. Tous nos professeurs étaient noirs comme mille nuits. Et moi-même, comme Trisaël, moi j'étais noir comme mille nuits. Je toujours prends ça comme exemple. Et je fais un rapprochement avec ce qu'on appelle le trou noir. Parce que je parlais en pile de ça. Et je suis allé gorer pour me dire qui est moi. Malgré la porte de la Dieu. Et je m'assure que l'arrivée, ou senti bagaille à l'ensemble. Malé Jamaïque pour me un instrument de torture yo sur l'habitation Rose Hall sous troisième instrument moins vomi et me rend moins compte depuis le ça que nous sommes grand peuple nous sommes peuple choisi nous belles nous là et le 21 c'est ça justement nous voulons montrer quel que soit religion moun nan bon Dieu accepte le moyennant que moun nan capable aller coûte de l'autre. Moyennant que, au lieu où elle dit l'autre là, il n'est pas bon, dit le son à faire, son gros effort, faire même quand même non, plus loin, bon, mais. Parce que le moment arrivé pour nous coller les épaules, nous regardons ce qui a passé dans le canal là, là. Moi, il y a des femmes, il y a 10 femmes, la mi-temps, une vingtaine de garçons. Moi, il y a des femmes maçons, moi, des femmes entrepreneurs. Et c'est une fois que moi, que j'ai telle unicité,
quelle que soit classe sociale, moun, quelle que soit couleur, quelle que soit éducation et quelle que soit religion, yo tout là pour Haïti. C'est Haïti d'abord, parce que nous c'est dernier vestige de l'Atlantide. C'est là que tout a commencé et c'est là que tout va finir. Finir comment? C'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un siècle et c'est la renaissance d'un autre monde et d'un autre siècle. Ce sera le siècle, le moment de l'amour. Et c'est ça que je veux dire. Et faut dire que Kemi Seba justement t'est rentré il y a quelque temps parce que de temps en temps l'entrée il y a un bon ami moins que les Baïna Bello et yo t'est gagné pour yo aller au cap et puis t'est gagné gang là toute là où il y a cap barré messieurs dames yo dit mais faut aller au cap quand même moi même là la raison me dit mais nous que les fous nous pral prendre blanc noir ça yo pour nous aller manger yo sur route là parce que gang pral prendre yo et bien vous savez quoi toute gang ouvert porte bail passé il y a au cap. Yo retourné sans problème, c'est dit au dit que t'es gangan. Donc c'est ça nous pral faire le 21. Quelle que soit religion moun, quelle que soit classe sociale, quelle que soit éducation, nous voulons que nous mettons ensemble ça nous gagne en commun. Ça nous gagne en commun, c'est l'amour. Ça nous gagne en commun, c'est la résilience. Mais ça nous gagne en commun, c'est trip nous. C'est Haïti. C'est pour nous là, pour Haïti. Haïti pral camper. Et à quoi c'est deux? Et nous connaissons tout ça, Renaxan fait déjà. Et nous connaissons que Renaxan, jusqu'à présent, il était fidèle à ça, il était tête li comme objectif et mission. Il était attaché à lui. Et de temps en temps, on a essayé de regarder, dans la mesure du possible, comment nous sommes capables d'améliorer le travail nous et chercher des personnalités qui sont capables de courir. Ça n'a fait comme travail, mais tout qui gagne de sensibilité pour problématique transfusion sanguine en Haïti. Et c'est dans ce sens ça, aujourd'hui, Renaxan a présenté, nous nous connaissons déjà, bien entendu, mais dans l'autre titre, à titre de nouveau ambassadeur de promotion et de sensibilisation, ces deux personnalités que nous connaissons, mais qui aujourd'hui associent Imagio à Renaxan, côté que nous pourrons travailler ensemble, travailler beaucoup plus pour nous permettre que si ça qui manque yo nous ajoute yo fait que en grande majorité moun yo rive comprendre vraiment nécessité pour yo impliquer yo dans question de sang en Haïti et j'en toujours dit personne moun pas épargné leur besoin sang et quel que soit niveau yé dans société a dès pour gen besoin sang ou dans même bateau avec tout moun et c'est dans sens ça moi gagne avec moi madame Chrisnette Saint-Georges qui était toujours voulé bay san et qui était rivé l'année parce que pour un monde ambassadeur Renaxan faut ou faire un premier don parce que faut prêcher par l'exemple au même titre que BIC et Jean-Jean yo deux a yo rejoindre et Renaxan monsieur Guerrier tout seul que nous connaît qui rejoint Renaxan dans combat ça qui sont gros combat et chaque jour par rapport à tout ça n'a fait comme travail nous senti son goutte d'eau. Nous avons jeté dans la mer, mais qui est très significatif dans la mesure où nous permettons que chaque année nous sauver des centaines de vies à travers diverses activités de collecte de sang que nous avons toujours fait. Et nous ne parlons pas en pile aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui ont parlé. Et on dit les femmes d'abord. Donc nous allons quitter Madame Chrisnette Saint-Georges avec nous pour lui parler de l'engagement, de sensibilité qu'il a. Pour problématique transfusion sanguine en Haïti et qui ça qui pousser li engager li auprès de Renaxan et tout de suite après n'a gagné monsieur Dieusel qui les même tout pral font y parler et sous question après moi c'est un plaisir pour aujourd'hui c'est ambassadrice Renaxan faut me dire moi senti moi fier parce que sans c'est la vie sans c'est nom yon goutte sang ou capable perdre la vie et ça fait en pile fois en pile dans nous qui déjà perdu la vie, yo, c'est parce que yo pas joué de sang. Jodi à moi embarqué dans bateau, c'est dans logique pour me capable plus sensibiliser jeune l'école, grand monde, tout monde qui capable bailler sang pour faire comprendre que nous pas capable jouer avec la vie puisque la vie est importance, sang, c'est la vie. Dans contexte ça, moi même matin, moi prends engagement bon côté équipe Renaxan qui déjà là. Pour me dire que moi embarqué corps et âme dans toute activité personnelle pam dans toute activité publique pam tout m'a toujours
faire sensibilisation ça pour faire comprendre que nous pas capable vivre sans pas partager sans nous avec l'autre chose. Parce que yon accident, yon moun fè, ou pa gen san, ou capable perdre la vie ou. Ou capable la kay ou la ou vivre, ou pensez qu'on gen san, le ou gade ou pa gen san. Et docteur besoin san pour l'opérer. Jodi an, tout moun net, ni la presse, quel que soit kotoye, pote san ou vini, vin bay san nan renaksan. Bay san nan renaksan, se permet pays d'Haïti, wè yon lot façon. Se permet nouvel Haïtien capable retourner nan jan l'deye longtemps. Mwen décide travay bon kote nou, et m'aptan collaboration nou chak, pour permettre Walmap je comme ambassadrice là avec un pile honneur que moi accepter jouer rôle ça ambassadeur Renaxan qui c'est une organisation qui a fait un travail si noble qui c'est faire promotion qui c'est sensibiliser monde pour bailler sans qui c'est une qui est précieux que nous pas capable vivre sans lui. Nous tous qui là, qui sont journalistes, nous monde qui, quel que soit niveau, y est dans la société, ou a pris un moment où a besoin de sang, quand même. Ouais, a besoin de sang parce que l'on a fonctionné dans la vie quotidienne, nous, donc on capable de faire accident, on capable de malade, on capable de madame ou cousine ou soeur qui est enceinte, qui peut faire opération, qui a besoin de sang. Donc, c'est pour ça que moi, il était important pour moi-même, moi participer dans sensibiliser chaque monde pour que soit capable de bailler sans, parce que les gens si ont peur de bailler sans. Ils ont évoqué toute qualité de bagaille. Il y a des gens qui disent que c'est quand vous avez bailler sans, et c'est quand vous avez tout mourir. Ouais? Pendant que les gens malades, il y a besoin de sang, okay? Mais dans la tête, depuis que bailler sans, il y a mourir. Donc, je pensais que c'était important pour moi d'être embarqué. Non, bateau avec Madame Saint-Georges Dil, parce que ça méritait plus sensibilisation. Sensibilisation pour côté citoyen, qui eux-mêmes doivent comprendre la nécessité pour faire geste ça, mais nécessité tout pour encourager, pour faire pression sur l'État, pour qu'ils soient capables de bailler plus de moyens à l'institution qu'il a, quoi c'est PNST, PNCS. PNST pour que les capables de moyens normal pour les capables mettre des structures là pour recueillir sans eux parce que n'est pas possible pour que si on monde baille sans nan cap haïtien faut qu'il obligé rentrer par Port-au-Prince pour venir traiter ouais et des fois province sur pas gain sans disponible donc vous imaginez au monde qui besoin sans au cap haïtien surtout dans moment dans situation que nous là qui démarche les bras obligés fait pour que le rentre Port-au-Prince vienne chercher sang. Donc moi-même, ça t'a intéressé, c'est parce que moi recevoir souvent appel de monde, de parents qui ont même des proches qui sont dans une situation difficile, qui ont besoin de sang. Donc les gens dans l'eau pour dire, font Jean pour lui, parce que madame ni l'hôpital a besoin de sang en urgence. Donc on est obligé à casser tête pour aller Nancy pour reler docteur Noël et des fois ou qu'on reler ou pas joindre ouais ou carré l'eau pas joindre parce qu'il doit pas gain sang disponible donc si pas gain sang disponible c'est parce que en pile monde pas al bay sang OK donc me trouver que li nécessaire pour moi par rapport à si ça me gain comme notoriété dans société a pour que nous embarquer là-dedans pour que nous capable sensibiliser tout monde pour yo al bay sang puisque sang c'est la vie. Tande à quoi c'est deux. Point de vue moi li clair et sous question ça c'est d'abord tu as une résolution que tu prends qui t'est créé comité expert et qui pour faire travailler li rivé à bout et yo renouvelé et yo metté yo venir en Haïti, yo fait plusieurs voyages, yo parlé avec moun plusieurs côtés, yo bien en plénitude ouais de juridiction et pour chercher mener à bout et on dit enquête et sous question et corruption et gang et qui gangrène pays. Alors, malheureusement c'est ça qui doit venir en vain et pour en vain il était dit il y a voué force multinationale à venir mais nous senti les États-Unis marcher vite en besogne et pour le verre qu'il y a vu de Mauricia
et pour c'est lui-même qui a venu. Même j'en ai fait en 2004, j'étais voué au Brésil devant, mais c'est lui-même qui a manigancé toute bagaille. Et parce que lui, disons, maradine majoritaire, mais lui bail semblait plus cobre. Et la mission Sayo, où elle déjà il a bail près de 100 millions, etc. Mais alors que, bon, je ne pense pas 100 millions dans l'argent, il y a un gars dit 200 millions, mais c'est 200 millions, c'est et l'armée qui a bail moyen. Parce que les États-Unis disent qu'il bail quoi, il faut nous habituer, il faut commencer à s'habituer, il faut après commencer à s'habituer avec le système américain. Il doit avoir beaucoup de machines, il faut que les gens ne soient pas ici. Vous n'avez même pas répété. Non, c'est tout un panoplie parce que nous entravés. Et parce que nous devons connaître le problème. Les États-Unis connaissent les questions d'armes qui viennent de ici. Les Nations Unies connaissent. Donc, ils n'ont même pas appelé nous aller dans les questions de sanctions. Et puis, nous quitter les restes. Et puis, ils sont venus occuper nous alors qu'ils connaissent des volants. Bon, ici, il y a un tournoi de volant, il y a un tournoi de volant, il connaît tout à fait, il connaît toute la nation à fait. Mais il n'y a pas rien, les États-Unis, par contre, là. Bon, sous question de sanctions, c'est pour nous comprendre bien, c'est un commencement. Et parce qu'il y a un autre rapport, et il y a des méthodologies de travail, là, qui ont été, qui ne savent pas le faire, qui ne savent pas le faire. Mais cependant, il y a passé sous quelques monde. Même penser rapport et ça et 158 pages ça pas gagné nos pièces qui la journaliste nous pas connait pas gagné au dit là nous pas connait sauf que nous pas gon méthode et nous pas Nations Unies ou bien tout nous pas journaliste d'enquête et ouais donc nous rentrer dans un système côté que nous pas et fait travail là. À ce moment-là, il passait pour un rapport, tout le monde saisi, tout le monde étonné. Qu'est-ce qui va connaître, qui ça a eu, qui a fait dans le pays depuis bon longtemps. En tant que militaire, dans la police, en tant que politicien, en tant que entrepreneur, entrepreneur, tout le monde connaît. Et entrepreneuriat, c'est l'argent, il prend, dans le coup de code mal taillé, en dedans, l'on a. Donc, mais qu'il y a peut-être n'a ouvert le flanc pour lui dire qu'il pas connaît, il pas assez habillé à faire et parce que nous pas gagné, la presse n'a pas gagné et capacité. Faut nous admettre nous pas une capacité pour nous pas et ces rapports nous pas produit tout nous-mêmes. C'est des gagné journalistes d'enquête mais étant donné qu'il faut dans la presse là et il y a c'est à l'agence ça on a fait hôtel non, c'est à l'agence ça on a fait tout ça on a fait dans le pays, dans le côté nous voulons, dans le pays, ou bien dans l'activité. Donc, nous passons sous ça et nous levons les pieds. Et nous, tous nous connaissons, monsieur, c'est volant. Ils volent et puis ils sont gangster. Bon, moi-même, je suis la Tibonite, et puis je connais et tout ça. Ils ont fait. Tout ça, ils ont fait. Et comment gangrener et gangsteriser et la Tibonite. Élection, ils ont fait. C'est pareil avec ZAM, ils ont fait. Et ça, tout le monde qui est dans AAA. Et comme ça, c'est ça qu'il fait. Et pour fans, mettez à faire pas le sous-pied. Et ça fait pour fans qui a député Thirivière, la Tibonite. Parce que lui mettait gang pal avec Timotas, et un policier, et lui mettait lui, et puis lui, il m'a dit ça, Et c'est clair. Mais il y a des gens qui connaissent. Ça veut dire, et il m'a député, et la et Tibonite si pas de gagner c'est pas de gagner gang pas tout et Verrette Dorson ancien ministre et éducation avait dit vous en mime tout ancien ouais. Député et pas député c'est pas de gagner force ça yo et qui était mobilisé force zam non bon m'a dit Dorson m'a gagner popularité son professeur il était fait et il était directeur du Verrette il gagner popularité mais ça pas empêché que et ben bah oui bah j'en fait sans âme c'est clair bon ma recouli à moi il a fait figure fait ouais tes poids tes maïs pour dire tant qu'on nous pas nous pour imbécile tout le monde pour imbécile donc c'est pour le cas c'est pour expliquer lui faut nous des questions faut nous dormir
dormi tant lever bonheur pour nous la presse la préparer pour nous pas quitter Youri à berner pays a vinn dit et nous tout nous connaissons et c'est PHTK même qui bail moun yo gang et zam nous commencer comme ça elle dit qu'il faut moun yo parer yo et constater ka yo boulé constater moun ki sou ki te bon bal et si à l'hôpital à chercher cette femme médicale yo parer pour que yo porter plainte contre moun yo. Et c'est là non et n'a prétend et tout rapport a, et nous même dans BAI et n'a commencé à accompagner Mounio dans et pour organiser ça pour commencer préparer papier si moun qui gagne qui des jeunes Mounio comme Mounio c'est même c'est pour yo te faire enterrement yo c'est pour gagner au moins nommer yo ça ne relé à dessert ouais et parce que pas gagner yo craser autopsie. Ça va bien encore. Ou la presse nous a jamais dit que IML crasé. Nous avons mal parlé à docteur de Morsi, mais c'est ça qui fait faire autopsie. Son plan criminel qu'il a acheté quand il est là. Les gens qui ont mouru, pour ne pas gagner qu'un an et comme papier, comme pour qu'on ait qui zame, qui balle, qui tue. Donc, pour y avoir commencé par au clair, et nous toujours dit nous sommes à l'ère du verso, tout le monde est clair. Tout le monde pour nous souhaiter, c'est pas au vent. Et Jean Baraye a passé là après ça. Après ça, il y a une capacité au moins pour le faire enquête, pour le connaître tout le volant et pour de quoi pour ne pas venir crier. Donc Jean Baraye a fait là. Mais quand on parle d'arrestation, est-ce que l'État haïtien doit gagner des mon cher, beaucoup revenu dans la page ça. Mais je souhaitais que l'État gagne arrestation parce que c'est un criminel. Et bon, pour ça, quand il y a une drogue, il y a un voyel. Et les États-Unis, il y a une prendre de l'église. Je me souhaite Lambert, Yuri, mais c'est aux États-Unis, pas le choix. Mais, fini, pour ça qui concernait nous là. Donc, par exemple, tout le monde connaît qui est complice. Parce que l'article 44, code pénal là, clair, il dit monde qui baille, et monde qui dit complice, monde qui baille, monde moyen, zam, l'argent, toute qualité de bagaille, et monde qui est complice. Et complice, l'a subi. Même peine, pugé même peine ensemble avec auteur. Ça veut dire, Zam Mateli Bayo, Tilapli, mais qui Zak criminel qui vous fait, et bien Tilapli avec Mateli a bien même peine. Voilà, ça veut dire, c'est la nouille, et c'est ça, c'est wall, la justice haïtienne. Mais tout le monde qui est dans cette ville, en dedans là, parce que c'est bien acheté calier, ouais, bon, son caméléon, de toute manière. Mais il a converti dans toute bagaille. La prend forme, ouais, vase là, c'est de l'olier. Mais autant que nous ne sommes pas gagner de bons procès, et de procès qui vont démarrer, on dans ce sens. Et c'est coûté l'olier. Et monsieur. Pour le finir, parallèlement, il y a la police qui fait qu'on est arrêté. Et c'est faux assassinat, Jovenel Moïse, Félix Badiou. Est-ce que vous pensez que l'arrestation est capable de permettre des enquêtes dans l'irrigation à la fin? Et capable d'arrêter les présumés assassins. Bon, moi-même, je ne peux pas dire, bon, DCPJ, bon, je profite de l'occasion parce que c'est important pour me dire ça. Parce que je connais les DCPJ. DCPJ, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Moi-même, sur la police qui travaille. La police qui travaille, mais si vous voulez voir les forces multinationales, il y a fait ces plans. Mais la police qui travaille, mais il y a une mauvaise direction, Ariel sont criminels. Ils sont assassins, ils sont inculpés, donc c'est lui-même qui a dérouté le travail de la police. Ça, je ne sais pas, l'autre monde qui a dit notre bagaille. Bon, c'est vrai, vite l'homme dit, LB était dans le bagaille avec lui, donc je ne sais pas, moi-même, mais autant de fois où on est comme ça, et même trempé dans le sang, il va pour ça une bonne orientation. Donc si nous changeons tête bagaille, ça là vous savez pas ici nous devons faire remarquer ça parce que c'est DCPJ qui travaille non seulement ils font des rapports mais tout ils arrivent malgré toutes gens et Badjo et Deguizel ils ont fini par filer et ils ont travaillé de longue intensité mais sont équipés de la police mais ils ne sont pas ils sont compétitifs ils arrivent et au contraire ils peuvent prendre plus de temps toujours mais c'est avancé pour moi-même et ils arrivent maintenant sur monsieur malgré gens Deguizel. Et ça, il faut nous dire à Iboubo pour le DCPJ qui a fait le travail. Écoutez, même pour nous, on va dire
Et monde qui a dit ça, c'est le juge d'instruction. Qui a regardé qui est-ce qui cerveau, qui est-ce qui planifié, c'est lui qui a attendu. Même DCPJ, c'est lui qui a enquête. Lui qui a voué rapport à le juge. Et déguisé tête li, babli, ouais, et cheveux, et pour ne pas jouer ni, vous sentez son nez qui a caché col. Parce que, il a fait un cri, il n'a pas parti. Il n'a pas passé. C'est là que nous avons pris, il a passé dans l'aéroport, il a déjà gagné et viseur sous lui. Donc, à ce moment-là, il s'est caché. S'il est caché, donc, il faut expliquer la raison de cacher. Hein. Et ça, c'est très important. Et c'est un gros indice. Mais, je ne peux pas courir et répéter que M. Ndarado, c'est moteur ou bien c'est plaque tournante. Et bon, il est capable de jouer un rôle, il joue et il est capable de planification. Je ne sais pas. Mais je pense que M. de par comportement, il dit qu'il participe dans le crime. Y compris le comportement réel. Y compris le comportement réel. Qui a barré la police. L'a empêché, bon, par contre, qui coïncidence qui gagne un Ariel par là avec arrestation. Parce que c'est sûr que tu as suivi monsieur, tu as connu que monsieur était. Et Ariel n'a pas voulu arrêter. Parce que tu dis, monsieur, qu'on allait dans la primature avec elle contre Ariel. Donc, à ce moment-là, pour monsieur vivre, j'en vive la soif en mine d'elle, mais d'un côté quelconque, il a aidé lui, mais il a aidé John Joel Joseph. Qui non, pays, non, monsieur dit il va bien informer lui-même. Monsieur dit il va bien informer qui est petit lui met abandonné, il va ça il va bien informer. Bon, nous quand même monsieur vive. Monsieur n'a maquette l'idée. Et n'a maquette l'idée et ben la première fois dans la maquette. C'est parce que monsieur qu'on a allé là déjà et la police fait filature, ils suivent les son technique qui très non c'est qui très et qui va fuir. Elle dit il veut toujours faire. Donc il veut mettre son monsieur, ça monsieur comme habitude. C'est bon, il coule à son comme ça. Moi-même penser, même question, est-ce que c'est pas une coïncidence entre Ariel qui part à Haïti avec arrestation? Est-ce que la police a veillé tant ça parce qu'on connaît si il était arrêté monsieur, peut-être qu'on a arrêté monsieur déjà. Monsieur a arrêté monsieur et puis pendant Ariel là, Ariel a fait la gueule parce qu'Ariel connaît depuis qu'on a arrêté monsieur, il a prouvé sur lui. Bon, moi-même penser, c'est Ariel qu'on a posé la question, qu'on a demandé à Ariel ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a quitté? Et, ou bien est-ce qu'elle a continué? Elle a continué parce qu'il y a là, est-ce qu'elle a peut-être là dans le tribunal là? Et à quoi c'est deux? De la normalisation est également une occasion qui permet de rendre hommage aux efforts déployés par les organismes nationaux de normalisation en collaboration avec les milliers d'experts du monde entier qui élaborent les accords techniques d'application volontaire publiés sous forme de normes internationales. C'est aussi une journée d'information et de sensibilisation sur le plan planétaire de tous les acteurs de la vie, agriculteurs, transformateurs, commerçants, entrepreneurs, universitaires, pouvoirs publics, associations patronales, etc. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, les normes sont devenues incontournables et sont au service des objectifs de développement durable ODD des Nations Unies. La lutte intense contre la pandémie mondiale du COVID-19 et les événements qui se sont succédés ont mis en lumière l'absolue nécessité d'aborder les objectifs de développement durable de manière inclusive pour renforcer nos sociétés, les rendre plus résilientes et plus équitables. Aujourd'hui, nous vous invitons à vous joindre à nous pour réaffirmer que les objectifs de développement durable sont essentiels pour rebâtir en mieux. Dans cette optique,
les normes sont plus pertinentes que jamais. Le thème retenu cette année est « Une vision commune pour un monde meilleur ». C'est le moment de rappeler que les objectifs de développement durable qui visent à atténuer les inégalités sociales, à développer une économie durable et à freiner les changements climatiques sont extrêmement ambitieux. L'atteinte de ces objectifs exigera la coopération de nombreux partenaires des secteurs publics et privés et le recours à l'ensemble des outils disponibles, y compris les normes nationales, régionales, internationales et surtout l'évaluation de la conformité. Le futurologue mondial nous rappelle, et je cite, que les normes sont le fondement de la stabilité dans notre monde en évolution rapide. Dans un avenir dominé par des technologies transformatrices comme l'intelligence artificielle, elles constituent la force vitale qui empêche que le pouvoir ultime ne tombe entre les mains de quelques-uns. Ainsi, adoptons les normes en tant que gardiens du chaos et de l'incertitude. Mesdames, Messieurs, le système de la normalisation dans son ensemble est fondé sur la collaboration. Il témoigne de la puissance de la coopération et de la conviction à travers la conjugaison des efforts des experts lors du processus d'élaboration des normes, que nous sommes plus forts que la somme de toutes nos parties. En travaillant main dans la main, nous donnons aux individus les moyens d'aborder avec plus de détermination et d'engagement les défis de la durabilité avec des solutions vraiment concrètes. C'est dans cet esprit que nous vous engageons à inscrire la Journée mondiale de la normalisation dans une entreprise de façon durable afin de faire découvrir les multiples façons dont les normes contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable. C'est le lieu de saluer ici les efforts fournis par les actuels responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministre Ricardin Saint-Jean, le directeur général James Monazar et exhorte le personnel du BHN par la même occasion à continuer davantage pour le bonheur de la communauté. Aussi, voudrais-je saluer l'engagement de tous les parties prenantes aux différents travaux de normalisation dans notre pays et leur réitérer toute la reconnaissance du BHN et celle du gouvernement haïtien à travers le ministère du Commerce et de l'Industrie pour leur participation active à ces travaux qui garantissent la protection du consommateur, la protection de l'environnement et la compétitivité des produits haïtiens sur les marchés national, régional et international. Nous faisons front commun pour œuvrer ensemble à accélérer la participation d'Haïti dans la réalisation du programme mondial à l'horizon de 2030, en mettant les normes au service des objectifs de développement durable avec une vision commune pour un monde meilleur. Toutes et tous, ensemble, célébrons la Journée mondiale de la normalisation édition 2023. Vive le Bureau haïtien de normalisation! Vive nos courageux experts et expertes, membres de nos comités techniques. Vive Haïti. Je vous remercie. Puisque
nous sommes en train de nous préparer à imposer la norme en tout et partout comme la règle à laquelle il ne faut pas déroger pour que ça ferme et s'établisse un commerce et une industrie de qualité à la grandeur du territoire national. Même quand la fête est de mise, il ne nous faut pas perdre de vue en cette célébration de la Journée mondiale de la normalisation la somme des travaux de normalisation que nous avons déjà réalisés pour améliorer les conditions de vie du peuple haïtien, ainsi que les projets que nous nous proposons de mettre en œuvre à cet effet. Que de normes élaborées, que de dispositifs mis en place pour veiller à leur application. Mais les résultats tardent à venir, à répondre pleinement à nos attentes. Nous allons continuer à travailler ardemment et chaque jour davantage pour que les normes puissent s'insérer dans notre culture et devenir la règle garantissant la qualité des produits et des services dans toutes les sphères de la vie de nos populations. En ce sens, le thème de cette année, qui est le même que celui de 2021, axé sur une vision commune pour un monde meilleur. Cette vision commune doit constituer pour nous une source de stimulation, ensemble, pour un monde meilleur. En effet, on aurait pu dire tout aussi bien ensemble pour une Haïti meilleure. Car il n'y a que dans la solidarité, la mise en commun de notre volonté et de nos ressources que nous pourrions voir émerger ce pays généreux et prospère que nous appelons de tous nos voeux. La normalisation nous offre l'opportunité de mettre en pratique cette solidarité, seule capable de nous permettre d'avancer vers le progrès. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de cette journée mondiale de la normalisation est aussi l'occasion pour le ministère que j'ai l'honneur de diriger de rendre hommage aux efforts déployés par nos techniciens nationaux en collaboration avec les milieux d'experts du monde en vue de normes pouvant contribuer à son avancement dans les voies de la croissance, de la compétitivité et du développement économique. Ces hommes et ces femmes méritent d'être honorés et c'est avec grand plaisir que nous leur remettrons aujourd'hui des certificats de mérite qui sont à preuve de la reconnaissance non seulement du ministère, mais aussi de BHM et surtout de la population en général. Car les normes sont d'abord et avant tout au service de l'amélioration de la vie de la population. La reconnaissance dont nous parlons ici s'adresse aussi aux partenaires du BHM qui, depuis la création de ce bureau, n'ont pas cessé d'accompagner cette institution. Je vais ici parler du programme renforcé de l'organisation régionale de la CARICOM pour les normes de qualité, bien sûr, COS. Leur aide nous a été précieuse, capitale, et est grandement appréciée. Qu'il en soit profondément remercié.
Je ne saurais finir mes propos sans un mot de remerciement pour les cadres du BHN, passés et actuels, qui ont contribué aux travaux de normalisation. Au nom de la population haïtienne, au nom du gouvernement dirigé par Son Excellence le Dr Ariel Henry, et en mon nom propre, je tiens à leur dire du fond du cœur un grand merci. Mesdames, Messieurs, la norme aujourd'hui, c'est la fête. L'heure est donc à la célébration. J'espère que le cœur y sera aussi. Alors, à toutes et à tous, je souhaite bonne et heureuse journée mondiale de la normalisation. Je vous remercie tout en vous souhaitant bonne participation à cet événement. Un D à quoi c'est deux. Moi, j'ai une chance de faire stage académique moins dans une institution côté que nous avons mis en valeur toute connaissance que nous prenons. Pour tout connaissance nous te prayo pour nous lier yo avec pratique terrain. Nous te gen chance faire stage la Bénin. Côté me te rencontré ensemble paysan yo, me te frotté avec yo et me connais comment réalité paysan yé, comment pour lier ensemble paysan yo et qui travaille moi en tant que agronome, en tant que futur agronome bien sûr et travail là pas seulement rete dans cadre agronomique mais il était ouvert dans cadre administratif, gien des données que nous apprend, gien des connaissances que nous prend dans administration et quoi stage là côté en pile profit et ça m'a conseillé ensemble avec toute jeune qui t'a fait choix de agronomie payant besoin nous il pas seulement pour nous paraître pour nous paraître, pour nous venir comme yon étudiant, mais pour nous pas connaître qui ça nous gagne pour nous faire. Payant gagne en crise la traversée, comme insécurité alimentaire, n'a souffert en pile. Et jodi a, crise là, li monte plus que ça nous t'a doué penser. Nous non pas M. Christelle Bendor, moi c'est un étudiant de la faculté infirmière USTH. Moi j'ai une chance à faire stage à l'hôpital côté que moi j'ai chance rencontrer avec malade parce que bien avant nous t'ai allé dans stage nous t'ai faire pratique entre étudiants mais les nous aller dans stage ça permet que nous font belle expérience que côté moi rencontrer avec malade et nous ouais que yo nécessité soin et que ça nous a fait aller utile. Comment comprendre l'université a est-ce que ou à l'université, à gagner un bon professeur, ou à que ou son lieu, même capable de rendre. Et comment comprendre ça, qui message vous gagnez pour le, et le jeune garçon, la jeune femme qui t'avait fait partie de l'université? Bon, moi-même, ça m'a dit, c'est que moi, ouais, que l'université a gagné un pile professeur qui est compétent. Donc, si nous avons regardé sous et nombre d'années que l'université a gagné, ou te gen wa douté de li mais vu avec les nous rivé souterrain côté nous gen chance malgré que nous même nous c'est étudiant première année nous gen chance que nous assister avec quelques stages pratiques tant coup nous te gen chance faire pratique lorsque gen un monde qui accouché devant nous et ça gen professeur qui te gen apprendre nous tout processus qui gen dans accouchement tout ça c'était une très belle expérience malgré que nous avons fait première année. Mais avant, nous avons fait entrer dans cet hôpital, nous avons fait nous connaître la vaccination avec accouchement par pour nous, parce que ce n'est pas niveau première année. Mais lorsque nous participons là-dedans, et même médecins avec infirmières, nous félicitons nous parce que nous avons que nous sommes très dévoués et que nous sommes bons en pratique. Alors, si un jeune garçon, une femme d'âge, qui fait partie de l'université, il n'y a pas de regret, vous voulez dire? Non. C'est une bonne université. Côté pour jeune bon professeur et que étudiant et tout. Depuis que vous êtes intéressé, vous pouvez toujours passer Delma 75 pour venir apprendre ensemble avec nous. Donc, déjà pour me dire, l'UST, c'est une jeune université qui gagne un peu l'avenir, qui favorise l'excellence et l'innovation. Côté que l'excellence et l'innovation, ça, nous avons des opportunités de stage. L'opportunité de stage, elle permet nous
confronté avec vraiment la réalité. Ensemble de concepts, ensemble de théories nous avons pris en cours, nous mettons en application dans la vraie réalité, dans le domaine noir. Donc, l'expérience stage-là, c'est une expérience vraiment enrichissante pour nous. Côté que nous travaillons avec des personnes expérimentées dans le domaine noir, côté là, nous venons découvrir faiblesse nous et nous venons découvrir point fort nous. Nous venons jouer côté pour nous canaliser, nous jouer aspect nous t'a dû développer plus ça qu'à nous et ça nous t'a dû améliorer. Comment tu fais entrer dans l'université ça? Donc, moi t'ai entré dans l'université ça à l'aide de collège juin côté que j'ai un programme de bourse, de demi-bourse que j'ai mis en application. Le programme bourse ça, c'est un ensemble de monde qui est inscrit côté que j'ai gagné un concours passé à l'aide d'un ensemble de critères, à l'aide de sous base excellence ou participer dans le programme ça. Donc, en fait, moi j'ai entré sur le programme bourse là. Bien que vous entrez sur le programme bourse, comment ça y est pour vous, l'université? Donc, comment ça y est l'université? Jusqu'à maintenant, tout le monde va aller bien. Et je suis déçu de ce que je fais choix de l'université USTH. USTH est formé pas seulement pour être dans le milieu que vous avez, USTH est formé même pour servir à l'échelle internationale. Parce que nous avons ensemble de divers professeurs haïtiens, cubains, tant d'autres. C'est un jeune garçon qui fait partie de l'université avec vous, qui ça? Et qui message vous avez pour lui? Donc, message vous avez pour vous qui fait partie de l'université, je conseille pas pour vous. Moi, je voulais dire, choisis USTH. Mon capitaine des jeunes filles, jeunes garçons qui cherchent en université, choisis USTH. Nous pas loin, nous sommes Delma 75, plus ou moins safe, on va dire. Même si le pays n'est pas safe en général, mais vini dans USTH parce que vous avez besoin de bons professeurs, vous avez besoin de bons monde pour accompagner vous et vous êtes capable de jouer un stage pour faire dans l'organisation, dans le centre de santé, dans l'entreprise, peu importe côté lié, vous êtes capable de bénéficier de ça. Et ça mieux préparer vous pour faire face avec le marché du travail. Inscription déjà ouverte maintenant? Nous avons une session qui est en cours. Jusqu'à présent, nous avons une inscription toujours. Et c'est objectif. C'est pour ça même que nous avons invité Mounio. Venez inscrire ou venez chercher information, venez inscrire et puis choisir USTH comme université. Combien d'années l'université ça a gagné depuis la fonctionner? Et USTH, c'est une jeune université, j'en ai dit tout à l'heure. Nous monter en 2021. Mais aux âmes bien la valeur n'attend point le nombre des années. Pourquoi une graduation? Un D à quoi c'est deux? Mon rive là son fierté pour moi. L'aime garder confrère policier mio. Faut y prendre pour moi. Nous mettre vraiment blougé confrère policier mio. Qui mettait blindé à jodi a pour protéger Ariel Henry. Pour protéger France LB puisque c'est SPN là. Li gen Ariel Henry dans tête li, li gen France LB qui ont chaque une responsabilité. Pour qui ça? Depuis 10 novembre, les peuples qui ont ouvert étape lancé cri d'alarme pour nous dire la police pour responsabilité. Et bien stratégie ça. Démarche qui fait Jodia pour protéger Ariel, il n'est pas fait pour les cafou feuille. Pour ça, il n'est pas fait pour moun la saline. Il n'est pas fait pour moun belé. Il n'est pas fait pour moun solino. Il n'est pas fait pour moun torsel, peigné, tabac. Nous sommes capables de comprendre même la police ça Jodia qui choisit à protéger Ariel. C'est même eux-mêmes. Après gang vite l'homme, tu as fait une courir derrière moun tabac peigné. C'est eux encore qui t'a le bail gaz. Jodia, à qui fierté, police ça a campé
pour dire qu'il y a défendu Ariel. Pendant là, il y a plus que 200 policiers, bandits boulet caillou. Bandits font chasse aux policiers. Aujourd'hui, les policiers acceptent à protéger Ariel. Eh bien, nous disons, peuple haïtien, nous devons regrouper nous. Pour nous faire un seul, pour Ariel Henry, France LB, pour arriver à traverser 1er janvier 2024 dans le pays. La bataille a lancé jeudi. À partir de 17, nous faisons match ça. Et bien, nous prenons le bail calendrier pour nous dire presque chaque semaine, nous devons mettre nous à terre jusqu'à ce que Ariel pas existe encore. Ou du moins, nous avons un cafoufeuille pour le peuple cafoufeuille tourner la caillou. Jeudi, c'est 17 octobre 2023. Ça fait 207 années depuis Abolocho t'es assassiné Papa Dacio. Nous tu nous dis, là ils ont assassiné Saline, parce que ça ne peut assassiner un monde, ils ont assassiné un rêve, ils assassiné un projet. Quel projet Papa de Saline de gagner? C'est un projet bien-être, liberté pour tout le peuple là. C'est pour dire que tu es un monde, mais pour tout le peuple là. Je vous dis, la meilleure façon. Nous avons honoré, mais nous pas de Saline. C'est regarder le projet ça. Regardez le contenu là-dedans. Et qui ça vous fait pour nous atterrir dans l'intérêt du peuple. Le projet de Saline. Je vous dis, ça a été rêvé au pays grand monde. Nous voyons que le pays a perdu toute indépendance, toute autonomie politique, toute souveraineté politique. C'est corps groupe à conduite qui met Ariel. Il y a un gang à col qui mettait pour craser le pays, pour protéger les gangs contre la population. Je vous dis, Dessaline, il dit qu'aucun étranger, aucun blanc, ne peut mettre pied là à titre de bête ou propriétaire. Clinton, avec un pile l'autre encore, avec complicité causée locale, il y a un pile terre dans le pays, sous faux noms, etc. Nous avons agriculture. Après les salines, l'agriculture est qui fondamentale, qui sacré. Parce que si vous avez l'agriculture qui a marché, si vous avez politique nationale, vous ne pouvez pas nourrir le peuple. Pour nourrir le peuple avec bon manger, ce n'est pas fatra, vous avez passé ces deux bégues, manger organique, il faut que vous ayez l'agriculture qui développe. Dans ce sens, nous voulons un coup de chapeau pour les paysans dans le Nord-Est qui décident de finir avec la construction du canal ça, qui est à où vous êtes, pour mettre que le peuple haïtien veut manger vous le manger. Là, ce n'est pas seulement un seul grand canal que nous construit sous Rien Massacre, c'est plusieurs canals pour vous êtes tout terre pour que Nord-Est ta nourrit tout le pays presque. Et nous dit tout, nous avons besoin de bataille pour gagner autonomie politique, nous, souveraineté politique, nous, pour gagner des haïtiens grands monde qui ont des caractères, qui ont pris de l'eau, qui ont gaspillé dans les meilleurs pour construire ces canals. Nous avons trois rivières dans le pont de paix. Cap gaspillé. Nous avons un peu de rivière qu'on a gaspillé, alors que Théo là, il va user. Nous avons une tête, nous avons une marchandise, nous avons la joie escroque. Nous avons des machines, nous avons des camionnettes, nous fouillons nous. Nous sommes à l'aise, nous avons dormi dans Malabou. J'étais avec Simon Soubran, les lèvres tombent. Les lèvres tombent, nous j'étais avec Simon Soubran, Simon nous a prié. Nous avons perdu une tirée, nous avons perdu une noyée. C'est la caille, nous avons besoin de tourner. Pour nous à l'aise, jeunes de nous à l'aise, nous vivons avec petit, nous avec maman, avec parents, jeunes de nous. Est-ce que nous avons besoin? Nous avons petit, nous avons pas qu'à l'école, tout le monde nous a commencé malade, nous avons dit à recommencer pour nous. Il faut faire mal, commencer pour nous. Nous même, c'est la caille, nous avons vivre. Nous avons besoin de l'état. Nous avons nous cop, nous avons travaillé, nous faisons cop pour nous. Nous avons de l'eau, nous avons tout le bagage pour nous faire cop. Nous avons de l'état pour l'état. Bon, nous avons nous côté nous sortir dans le cas vous faire là pour nous. Tout le monde a fait retourner à vivre la caille. C'est ça, le monde de l'état. L'état n'a pas de cop pour nous. Mais nous connaissons, nous avons récupéré la caille, nous avons vivre la caille. Nous avons bouilli patate à peau, nous avons mangé la véritable, nous avons fait soupe, nous avons mangé la caille. Attendez à quoi c'est deux.